Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que je vais vous présenter l'émission depuis Pointe de Château. Nous allons passer un moment formidable. Et comme à Cadizot, la vie est belle lorsque on s'y prend du bon côté. Et j'aimerais vous dire que nous allons passer une soirée inoubliable. Une soirée, nous allons regarder des films et vidéos, des clips vidéo. Nous allons voir Kimsey et Jennifer aussi qui vont passer. Nous allons vivre une émission spéciale. Que Dieu vous bénisse. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus. Unclean spirit, come out. The name of Jesus. Let go of this young lady. Every demonic power. Come out. You serpent in her back. Come out. The name of Jesus. Come out. Out of her back. Out. In the name of Jesus. Out. Quickly. Turn over. Quickly. In the name of Jesus, thank you for aligning her back. Young lady, stand up, you're free. Amen. Stand up. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lift your hands to him. Say thank you, Jesus, for making me well. Holy Spirit, lead me. From today, you are the Lord of my life. Thank you, Father, for making me well. Father, for making me well. Thank you, Holy Spirit, for rest. Nous sommes juste là, vous voyez la Désirade. La Désirade, c'est une île de la Guadeloupe. Les gens habitent. Il y a à peu près quelques milliers d'habitants. Et nous allons passer un moment béni. Comme Acadizot Télé Anti, c'est télévision chez vous. La télévision chez vous, pays à où chez vous, c'est la Guadeloupe qui vient chez vous en plein hiver. Et je pense que nous allons passer un moment béni. Et je voulais faire cette émission juste là pour regarder la croix, hein, la croix est là. Bonjour chers amis téléspectateurs. Je suis très content de pouvoir être avec vous et de partager avec vous la parole de Dieu. Bien que ce n'est pas facile, la métropole a transformé les Antilles françaises en enfer économique. Alors je tenais à faire mon soutien à tous les gens qui manifestent contre la vie chère. Et je vous dis, si je suis en Guadeloupe, ou en Martinique, je vais marcher. Le jour où il y aura marche à Guadeloupe, je vous l'ai dit, au nom de Jésus, je veux marcher. Mais par contre, je ne suis pas d'accord pour la violence. Je ne suis pas d'accord qu'on casse pays en nous, qu'on casse notre propre pays. C'est de la bêtise. Je ne suis pas d'accord avec la violence. Et puis la violence, c'est l'œuvre de quelques personnes qui profitent. D'accord? Même en France, il y a des violences. Même au stade, il y a des violences. Mais ce n'est pas tout le monde qui est derrière. C'est toujours une minorité qui profite du chaos pour faire leur provision. Mais je suis d'accord à 100% étant que homme de Dieu. Je bénis tous ceux qui manifestent. Moi, Bishop Eli, je les bénis. Que Dieu les bénisse, que Dieu les protège. C'est pour que demain, nos enfants vivent dans un pays digne. Égalité, fraternité, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas de justice. Je bénis ce jeune homme-là, Martiniquais, hein, le président de R. Je le bénis. Et je bénis Elie Domota. Il y a une femme là que j'ai entendue en train d'attaquer Elie Domota. J'ai dit, madame, du respect pour Elie Domota. C'est quelqu'un de bon. Nous, en Guadeloupe, on le respecte. C'est un vrai combattant. Voilà.
Alors, je voulais dire, regardez-nous ça. Regardez-moi bien ça. Campes, de l'eau de la métropole, l'Antillais ne peut pas boire l'eau de chez lui. Le peuple antillais n'a plus d'eau potable. Quand je vous le dis, je suis en colère. Le peuple antillais ne peut plus boire l'eau potable. Ça fait 30 ans que je suis aux Antilles. Je me sens antillais. Et j'ai marre de voir mes frères souffrir comme des esclaves. En métropole, vous buvez l'eau du robinet sans courir des risques graves. C'est calcaire, mais vous buvez quand même l'eau du robinet. Quelqu'un qui n'a pas d'argent en métropole, il boit l'eau du robinet, il ne meurt pas. Mais sur aux Antilles, il y a le chlore de Crohn. Le taux de cancer de prostate est le plus élevé au monde. Le taux du cancer de prostate aux Antilles est le plus élevé au monde. Alors, un Antillais qui veut boire propre, tous les jours, je ne sais pas combien coûte la bouteille, le pack d'eau, il faut au moins 2 packs d'eau pour boire seulement l'eau. Et Macron, vous trouvez ça non? Les chimies, vous nos députés là, vous nos députés qui ont voté, vous les responsables, vous trouvez ça normal? Vous aussi les entiers, quand vous votez les gens, mais votez Elie Domota, votez Elie Lissiki, votez que les Elie. Et les Elie, votez-nous comme des députés. Si vous me mettez député, mais je veux vous dire, je vais parler mes européens là, parler ma français. Je dis, la première chose, je vais parler en créole là-bas. Vos députés parlent en français. Je vous dis, moi, quand vous me nommez député, je vous promets, j'irai avec mon mauvais créole là. Je parlerai en créole avec interprète. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y a un peuple créole. Vous, les chimies, vous allez là-bas dans le parlement, vous parlez en français. Est-ce que ton grand-père parlait français? Encore parler créole en parlement. Mouna raconte créole avec interprète. Votez Bishop Elie, votez moi député, vous allez voir. Je vous dis une chose. Vous n'allez pas les regretter. Ah non, vous n'allez pas les regretter. Vous votez des gens, il est député. Hein? Dès qu'il arrive dans son bureau, il prend la secrétaire comme maîtresse. Un député. Vous le nommez député, il prend la maîtresse comme la secrétaire de l'Assemblée Générale, comme maîtresse. Il prend 3, il multiplie les maîtresses. Ah. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on boit de l'eau? C'est pour cela, aux Antilles, il y a beaucoup de cas de débilité. On ne vous le dit pas. Les cas de débilité aux Antilles est l'un des plus élevés au monde. Des gens qui sentent des fourmis sur le visage, qui voient des monstres ou qui sentent des choses qui touchent la doudoune. C'est élevé. Ça fait 30 ans que je suis pasteur, je n'ai jamais vu un blanc avec de telles choses. Ni un Africain. Je vous dis, en cas d'usage de la vérité, ça fait 30 ans que je suis pasteur. Je n'ai jamais vu un blanc qui sente des fourmis sur son corps, qui monte, ni un Africain. C'est les gens des Antilles qui, tu vois, ils sentent les choses, des monstres qui rentrent dans leur nez. Ça, c'est... Moi, je priais pour ce cas. Une fois, aucun démon ne se manifeste. Et vous pouvez ne pas me croire. Écoutez bien. Retenez ça aujourd'hui. Antillais, vous pouvez ne pas nous croire, mais je suis sûr, étant que homme de Dieu, c'est le chlore de Crohn. C'est les contagions du chlore de Crohn qui donnent ces manifestations. La science va le prouver tout le temps. Ou bien ils le savent, mais ils sont en train de l'occulter. C'est l'une des conséquences du chlore de Crohn.
parce que l'eau est contaminée et ça monte dans le cerveau. Voyez, l'eau, ça rentre dans les urines, ça attaque la prostate. Voilà. Et aujourd'hui, se prouve que le cas de cancer de prostate est plus élevé au monde. Et ça rentre dans les sangs, ça contamine aussi les nerfs. Voilà pourquoi je dis trop, c'est trop. Je suis avec vous. Vous allez me dire, Romains 13, verset 1, il faut craindre les autorités. Il y a un pasteur, je ne sais pas s'il est guadeloupéen ou il est africain, il est allé suspendre un pasteur martiniquais qui a manifesté. Et monsieur le pasteur, Diopo, je te cite ton prénom, honte à toi. Tu ne connais pas la Bible, monsieur. Dieu, l'argent viendra. Dès que tu as la crainte de Dieu, la sainteté est là. Dès que tu as la crainte de Dieu, la santé est là. Tu vas t'éloigner du mal. Dès que tu as la crainte de Dieu, la protection est là. Dès que, vous voyez, tout est centré, mais le diable veut nous distraire. Il veut que tu puisses te focaliser sur la prospérité. Mais est-ce qu'un chrétien doit demander la prospérité d'abord? Je vous pose la question. Est-ce qu'un chrétien doit demander la prospérité? C'était un remarque qui m'est venu. Est-ce qu'un chrétien doit demander la prospérité à Dieu? Je vous pose la question. Ah là 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 là. Est-ce qu'un chrétien authentique doit demander la santé même? Lisez la Bible. Montrez-moi là où Jésus demande l'argent ou la prospérité ou la santé. Mais certains prédicateurs vous prêchent très mal l'évangile. Est-ce qu'un chien doit demander des poils? Est-ce qu'un chien doit faire du sport pour avoir des poils? Est-ce qu'une poule doit faire des exercices pour avoir des plumes? Si vous avez une poule qui n'a pas de plumes, amenez-le chez le vétérinaire. Si vous avez un chien, à part une race particulière, mais qui n'a pas de poils, amenez-le chez le vétérinaire, il est malade. Donc un chrétien, normalement, vous ne devez pas demander la prospérité. Vous prospérez naturellement. Votre nature, votre nouvelle nature est prospère. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un chien a des poils naturellement, c'est sa race, c'est son espèce. Un aigle n'a pas de poils, un aigle a des plumes, c'est sa race ou son espèce. Alors, si un aigle commence à avoir des poils, c'est qu'il y a problème là. Alors, vous étant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas demander la prospérité. Demandez autre chose. Moi, je demande le salut de mes âmes, je demande le pain à Dieu, ou je remercie Dieu, voyez. Je demande le pain, je demande à Dieu qu'il puisse pouvoir, je vous demande, mais demander la prospérité, non. Celui qui craint, heureux l'homme qui craint l'Éternel, il prospère, voyez. On n'a pas dit qu'il va demander la prospérité. Psaume 128, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies, il prospère. C'est automatique. Un bébé qui naît, on ne l'apprend pas à pleurer. Il pleure naturellement, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire plus, hein.
Donc, nous qui faisons de la prospérité ou du succès notre priorité, vous êtes simplement dans la distraction. Seigneur, fais-moi prospérer. Seigneur, donne-moi des succès. Vous êtes complètement dans la distraction. La prospérité, le succès, la santé, ça fait partir de votre nouvelle nature. Voyez, voici mon serviteur. Il sera très haut placé. Il va prospérer. On va voir cela. Voici mon serviteur. Dans Ésaïe, le chapitre 52. Voici mon serviteur. Il prospérera. Il sera haut placé. Il sera très haut placé. C'est-à-dire que le fait que tu sois au service de Dieu, tu n'as pas besoin de chercher à être haut placé. Tu n'as pas besoin de chercher que Dieu t'élève. Ça vient naturellement. Et voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart des chrétiens, des serviteurs de Dieu, sont tombés dans la distraction. On passe tout le temps, Seigneur, donne-moi le succès, Seigneur, donne-moi... C'est pas ça. Cherchons d'abord la crainte de l'Éternel. Toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. C'est écrit. Toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Dès que tu crains Dieu, même quand on te tire une balle, Dieu, voyez, regardez ma fille Marie-Jo. Il a passé un temps de preuve. Waouh. Je vous dis, elle a passé un temps de preuve. Waouh. Mais les résultats, hier, je parlais avec sa fille. Je ne sais pas si elle-même, Marie-Jo, est consciente, mais ta fille est transformée. Le preuve que tu as vécu, ça a révolutionné ta fille. Ah oui, je parle avec sa fille, mais sa fille a dit, Bishop, vu ce que ma mère a vécu, non, Dieu est Dieu. Je vais foncer pour Dieu. Ah, tu vois. Donc, toutes choses concourent au bien, même des épreuves que nous traversons. Mais dès que tu crains Dieu, Dieu va les transformer. Il y a des gens qui ont été mis en prison. Et c'est en prison qu'ils se sont convertis. J'ai le fils d'une sœur. Son fils a été mis en prison. La sœur pleurait. La sœur pleurait. Je priais avec elle. Elle pleurait. Et je priais avec elle. Je lui ai dit, écoutez ma sœur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu sait pourquoi il l'a mis là. Il va rencontrer le Seigneur. Il n'y a pas longtemps, je suis allé à Paris. La sœur m'a dit, Bishop Eli, mon fils est dans la même cellule qu'un pasteur. Contraire. Alléluia. Mon fils est dans la même cellule qu'un pasteur. Et ce pasteur lui parle de Jésus. Tu vois. Il y a des gens qui vont se convertir simplement pour ça. Des fois, tu pries, Seigneur, je veux que mon fils te connaisse. Voilà un exemple. Tu pries, Seigneur, je veux que mon fils se convertisse. Seigneur, je veux que mon fils te connaisse. Et Dieu voit que ton fils lui résiste. Et Dieu va permettre qu'il passe par la prison pour qu'il se convertisse. Alors, à cause de ta prière, Dieu exauce ta prière, il envoie ton fils en prison pour sa conversion et toi tu commences à pleurer. Ah, je suis découragé. Pourquoi mon fils est en prison? Je suis découragé. Ah, vous comprenez? Des fois, nous ne comprenons pas le plan de Dieu. La crainte de l'Éternel. Seigneur, mets dans mon cœur la crainte. Demandez à Dieu la première chose, Seigneur, mets dans mon cœur la crainte de l'Éternel, que je puisse te craindre. Seigneur, remplis mon cœur d'amour pour mon prochain. Donne-moi un cœur capable d'aimer mes ennemis, de les pardonner. Donne-moi un cœur qui n'est plus rancunier. Et puis, Seigneur, fais de moi un amoureux de toi. Quand vous êtes amoureux de Dieu et vous avez l'amour, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que nous on fait? Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi la puissance. Seigneur, donne-moi les dons des miracles. Surtout les dons des miracles. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens aiment les dons des miracles. Comment expliquez-vous quelqu'un qui ne visite jamais des malades? Il veut les dons des miracles. C'est de la comédie ça. Quelqu'un
qui ne visite jamais des malades, qui n'a jamais compassion des malades. Même dans sa famille, quelqu'un est malade, il ne va pas aller. Mais il va prier, Seigneur, donne-moi les dons des miracles. Je dis, mais ce monsieur-là, il a un problème. Tu penses vraiment que Dieu va te donner un don de miracle? Pourquoi? Hein? Prions l'Éternel pour dire, Seigneur, moi je dis à Dieu, mets la crainte de ton nom en moi et mets l'amour, je veux avant tout l'amour, rends-moi amoureux de toi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Pom, 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 je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger. Pom, pom. C'est ta présence, divin berger, ton, c'est ta présence, divin berger. Alléluia. Alors, je suis content parce que ma fille est avec moi. Ça fait des années que je ne l'ai plus vue. Mais Dieu m'a fait grâce qu'elle soit là. Merci Seigneur. Alors, je vous invite tous. Ce dimanche, elle va prêcher 15 minutes. Alors, tu vas prêcher 15 minutes. Oui, oui, je vais préparer le message pour toi. Tu parles pas à public. Oui, oui, mais tu diriges une équipe, non? Tu diriges une équipe, c'est un public, hein? Non, faut pas lui faire peur. Hein? Ah, tu diriges des produits. Kora baba bashika maba ya baba baba basuyu makaba ya baba sayanda baba kuru baba raba shikara basoto kuturu baba rama ya kababa shandara bayu to kuriandara kababa yeketa kababa baba baba Sakandara baba yekata kaba yoro baba. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. 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 C'est un peu ça que Jésus a dit. Cherchez d'abord le royaume de cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Tu peux avoir la plus grande église au monde et mourir, aller en enfer. Tu peux avoir la plus grande puissance même, puissance, ressusciter des morts et aller en enfer. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Même quand j'aurai le don pour la foi pour soulever toutes sortes de montagnes, même quand j'aurai la connaissance de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voilà pourquoi on doit demander à Dieu premièrement l'amour. Mais quand vous allez dans le milieu évangélique parfois, mes amis, dans le milieu religieux, vous constatez que la plupart des gens n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est que l'amour. Ils n'ont rien compris. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ça? Et Dieu me dit, c'est leur prêtre, leur pasteur qui les a abrutis dans des distractions. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, il y a trois qui est important, l'espérance, la foi, l'amour. Le plus grand, c'est l'amour. L'apôtre Paul dit, le plus grand, c'est l'amour. Vous comprenez? Hein, mais le problème, c'est, nous cherchons la guérison, nous cherchons tout, nous cherchons la puissance, nous cherchons la prospérité, vous voyez? Mais nous avons vu des gens prospères mourir et partir en enfer, vous voyez? La prospérité, c'est bien. Mais ce n'est pas notre priorité. Là, voyez, notre priorité, c'est Jésus-Christ.
comme on dit, christocentrique. Je veux lui plaire, je veux lui ressembler. Alléluia. Doudou, tu peux fermer la porte de ma chambre. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser à agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Alléluia. Arriba, te ressembler Jésus, te ressembler Jésus. Je prie vraiment que Dieu vous touche, que vous arrivez à comprendre que Jésus-Christ doit être votre priorité. Nous sommes là pour l'adorer. Viens adorer, pompon, peuple racheté, pompon. Toutes les nations, pompom, venez le louer. Adorez Jésus, pompom, notre rédempteur. Il est précieux, roi de gloire, alléluia. Seigneur, rends-nous amoureux de toi. Seigneur, dis un peu ça. Est-ce que tu peux dire ça à haute voix? Seigneur, rends-moi amoureux de toi. Seigneur, attire-moi vers toi. Attire-moi chaque jour vers toi. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Circoncis mon cœur. Enlève la méchanceté en moi. Enlève la jalousie, la rivalité. Enlève tout ce qui ne... Oh, riba. Dis un peu cela. Seigneur, change mon cœur. Mets l'amour dans mon cœur. Apprends-moi à t'aimer. Alléluia. Je tiens à vous dire, je suis un peu triste parce que le chat de ma voisine est mort. Le chat de ma voisine est mort. Est-ce que je n'ai pas réagi trop vite? Même quand je dirige la prière, ça me fait mal. J'ai lâché mes chiens, je les attache toujours. Et puis, j'ai fait tout pour protéger le chat de ma voisine. J'ai mis des barbelés électriques, clôture électrique, autour de la maison. Et j'ai mis mon chien mâle, je l'ai mis un collier électrique niveau 1. Pas trop fort, et la femelle, j'ai rien mis parce qu'elle est trop sensible. Mais ça bip, et tout allait bien, les chiens respectent la clôture électrique, tout, les chiens ne vont plus chez le voisin, et même quand ils voient le chat, ils les regardent de loin. Et hier, j'ai tendu le gazon, et puis les chiens s'amusaient, et je me suis endormi. Oh Seigneur, oh, ça me fait mal, hein. Je me suis endormi. Et quand j'attends du bruit, je regarde, le chien, il a sauté, le chat est rentré chez moi. Le chat, je ne sais pas, ce chat-là, il est brave. Hein? Le chat, il est brave, ce chat-là. Il est brave, il est rentré chez moi. Et sauf que le chat n'a pas peur de chien. Parce que ce chat, avant, il y avait un petit chien qui était ici. Le chat se bagarrait avec. Donc peut-être que le chat s'est surestimé, il n'a pas pris la fuite, il est rentré chez moi, et quand les chiens l'attaquent, il reste et puis veut les affronter. Alors le chien, surtout le mâle que j'ai, il l'a attrapé,
Je suis allé, je l'ai attrapé par la queue, je tirais. Il a lâché. Ah, mais les chats... Bon. Parce que j'ai vu ce chat, quoi, son image me reste dans la tête. Et puis, il est brave, il a voulu se battre. Au lieu qu'il part, il est resté encore pour se battre. Cela m'a appris un peu une chose. Hein. Soyez réaliste. Ne vous engagez pas dans des combats dont vous n'avez pas la force. Ne vous engagez pas dans des travaux dont vous n'avez pas le moyen, voyez. À moins que Dieu vous le dise. Vous savez, quand Dieu vous dit « engagez-vous », même quand vous n'avez pas le moyen, Dieu va pouvoir. Voyez. C'est comme David. David s'est engagé dans un combat contre Goliath. Dieu était avec lui. À moins que ce soit sous la direction divine. Mais ne vous hasardez pas, soyez réaliste. C'est un peu ça qui est resté dans ma tête pendant que je prie là. Des fois, je pense à ce chat. Ah, je me suis dit peut-être que bon, c'est pas ma faute. Hein. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai mis des bardelets électriques. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je n'ai rien à me reprocher. Mais quand même, ça me... J'aime beaucoup les animaux, hein. J'aime beaucoup les animaux. Et j'ai voulu taper mon chien, mais ça sert à quoi taper? L'animal protège son territoire. L'animal protège son territoire, mais je vous dis, au fond de moi, j'en veux à mon chien, quoi. J'ai un peu de rancune. J'ai un peu la rancune contre lui, parce que j'aime pas ça, moi. La femelle, ça va, mais le mâle, il est trop têtu. Oh, les American Staff. Quand vous avez un American Staff, vous êtes une femme, prenez une femelle. Ça, entre parenthèses, quand vous êtes une femme ou vous êtes un enfant, prenez une femelle. Les femelles sont très soumises. Ah oui, moi j'ai Una, elle est très soumise. Quand je lève mon doigt, elle s'aplatit, elle couche. Mais le mâle essaye toujours de me défier. Toujours. Et quand il finit là, il essaye toujours de prendre le dessus sur moi. Alors quand tu es une femme, tu as un mâle staff, celui qui sera patron chez toi. Ah, Seigneur. Bon, Dieu sait pourquoi il le permet. Je vais proposer à ma voisine de lui acheter un chat. De lui trouver un chat. Ou bien, quand mes chiens feront de petits, je vais lui donner un chiot. Parce qu'elle est toute seule. Hein. Il lui faut quand même... Hein. Mais le problème, c'est que le mâle, la femelle qui est chez moi, quand elle verra son petit chiot chez la voisine, ça va encore créer des problèmes. C'est compliqué, hein? Alléluia, voilà. Hareba Sakababa. Sayama baka barababa, yokoro baba, yakababa. Oh, nous t'aimons Jésus. Seigneur, mets l'amour dans mon cœur. L'amour pour mon frère, pour ma soeur, pour mes enfants, pour mes voisins, pour mes ennemis, pour mon épouse, pour ma famille, pour ma... Mets l'amour dans mon cœur. L'amour, Seigneur. Je demande l'amour avant la prospérité. Je demande l'amour avant la guérison. Je demande l'amour avant le succès. Oh oui, celui qui aime est né de Dieu. Oh oui, celui qui aime est né de Dieu. On n'a pas dit que celui qui a la foi est né de Dieu. Non, il est agréable à Dieu, mais il n'est pas né de Dieu. On n'a pas dit que celui qui prospère, qui a du succès ou qui parle la langue est né de Dieu. Non, on n'a pas dit que celui qui est bishop ou apôtre est né de Dieu. Non, c'est celui qui aime qui est né de Dieu. Oh Seigneur, mais avant toute chose, l'amour en moi. Que la première qualité qu'on trouve en moi soit l'amour. Je veux que je sois la première, mon premier attribut soit l'amour. Car toi, tu es amour. Oui, mes amis, c'est comme ça que vous devez prier. Vous devez prier comme ça. Vous savez, quand vous avez l'amour, l'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour pardonne tout. L'amour espère tout. L'amour excuse tout. L'amour est patient. L'amour est serviable. L'amour, c'est extraordinaire. Imaginez-vous.
une église où tout le monde est né de Dieu à l'amour. Mais c'est une grande famille. D'ailleurs, j'avais instauré, sauf que les gens ne respectent pas tout ce que je dis. J'avais instauré dans toutes les églises à CRJC, les anciens, tous les anciens doivent dire un mot à tour de rôle. Chaque dimanche, un ancien doit dire un mot sur l'amour. J'avais instauré ça. Mais je ne comprends pas les gens. Tu instaures quelque chose et après ils arrêtent ça, ils oublient. Mais je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes ancien. Vous êtes pasteur, on vous a laissé un consigne. Si cela est négligé, un doit le rappeler, un doit le réinstaurer. Mais tu donnes des consignes, tu reviens 2 ans après, pouf, il n'y a plus. Il n'y a plus. J'arrive pas à comprendre. Vous n'êtes pas de bébé pour qu'on vous rabâche la même chose. Pour moi, dans toutes les églises, quel que soit le message qui est prêché, un quart d'heure doit être consacré à l'amour. Même si on prêche la foi, même si on donne l'enseignement sur l'apocalypse ou sur la démonologie, mais dans le culte, un quart d'heure doit être consacré à l'amour. Un ancien doit... Ça, c'est ma conviction. Parce que l'amour, l'apôtre Paul dit « Cherchez d'abord l'amour ». Et j'ai remarqué que dans nos églises, beaucoup de chrétiens n'ont pas d'amour. Beaucoup de gens religieux ne connaissent pas l'amour. Tu vois leur langage, tu vois leur comportement, tu vois... Parce que l'amour n'est pas ingrat. L'amour, c'est extraordinaire. Dieu est amour. C'est comme certains mahométans, ils disent qu'ils sont amoureux de Dieu, comme on dit les fous de Dieu au Liban. Mais ils sont en train de tuer les gens, de poser les bombes, de faire des guerres, de s'entretuer, il y a un truc qui ne va pas. Si vous avez l'amour, Israël, c'est le peuple de Dieu, donc vous devez avoir amour. Hezbollah, vous êtes aussi croyant, mais vous aurez dû vous aimer, vous asseoir et faire la paix. Vous voyez, normalement c'est ça. Vous voyez, Jésus lui-même a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable. C'est pas moi. Hein? Aujourd'hui, moi, j'aurais dit ça. On aurait dit Bishop Eli est antisémite. Ouais, ouais. On aurait porté plainte contre moi. Mais Jésus lui-même a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable. Si vous avez pour père Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Ben, je dis, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et être antisémite. J'ai bien dit. Même pas antisémite, raciste. Moi, j'aime toutes les races. J'aime les Juifs. Oui. Et j'aimerais vous dire, si vous voulez être béni, vous devez bénir Israël. L'Israël spirituel, pas Netanyahou. Netanyahou, là, moi, je ne le supporte pas. Je vous avoue, Netanyahou, avec sa tête-là, je ne le supporte pas. Et je n'accepte pas le comportement de l'armée israélienne à Gaza. Je n'accepte pas ça, c'est de la méchanceté, c'est de la cruauté. Oui, je dénonce. Il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de Juifs. C'est pour cela qu'il ne faut pas généraliser. Il y a beaucoup de Juifs. J'ai vu une manifestation en Israël où il y avait presque 500 000, demi-million de Juifs qui sont contre cette politique guerrière. Vous voyez? Et l'erreur que nous faisons, nous avons toujours tendance à généraliser. En Israël, il y a beaucoup de Juifs qui sont contre cela. Même en Israël, il y a une tendance religieuse. Quand vous allez chez eux, en Israël, il y a les drapeaux palestiniens. Je vous dis, si vous connaissez l'histoire, allez-y, vérifiez, vous allez voir qu'en Israël, il y a des religieux qui ont une certaine tendance. Et dans leur rue, partout, il y a des drapeaux palestiniens. Oui. Parce que pour eux, on ne doit pas arracher aux Palestiniens leur terre. C'est pour cela que quand vous dites juif, c'est un gros mot. Ah, j'aime pas les juifs. Ça n'a pas de sens.
C'est comme je vous dis, il y a des noirs qui sont gentils, il y a des noirs qui sont bons, il y a des noirs qui sont stupides, il y a des noirs qui sont intelligents, il y a des noirs qui ont inventé, il y a des noirs qui sont abrutis. Voyez. C'est comme des blancs. Il faut comprendre que la couleur de la peau ne détermine pas les émotions, l'intellectuel d'une personne. Le contexte historique de l'évolution d'un homme, le contexte culturel aussi, peut influencer son comportement. C'est comme les Noirs aux États-Unis. Ils sont dans un contexte social de pauvreté. Donc, ils n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans des bonnes universités. Ils n'ont pas les moyens d'éduquer leurs enfants. D'où les conséquences, ces populations-là sont aptes au vandalisme. Vous allez voir beaucoup de Noirs et de Latinos dans des prisons parce que c'est la population la plus fragile et démunie. Le petit blanc qui est né avec un héritage de villa va voler pourquoi? Il est né, il a deux villas aux États-Unis, trois villas, une famille riche, il n'a pas besoin de voler. C'est normal qu'après, quand nous allons dans les prisons, vous voyez qu'il n'y a que de blacks et de latinos. Mais l'homme, borné et raciste va dire, voilà, c'est comme ici en France, les délinquants, c'est en grande partie la population émigrée. Comme on dit, la population de couleur. Et pourquoi? Parce que ce sont les plus démunis. Dans les HLM, allez voir, c'est eux qui remplissent les HLM. C'est les Arabes, les Noirs, les Africains noirs qui remplissent les HLM. Allez-y là-bas, vous allez voir qu'ils remplissent les HLM. Les quartiers Saint-Denis, c'est leur quartier. C'est la population la plus fragile. Et ces gens-là, dans les désespoirs, leurs enfants se mettent à faire du vandalisme. Mais ce n'est pas dû à la race ou à la couleur, c'est le contexte socio-culturel. Est-ce que la répression, c'est la solution? Non, c'est la justice sociale. Leur donner aussi les mêmes opportunités, parce qu'aujourd'hui, en France, je suis le seul à le dire. Écoutez, je suis le seul pasteur à le dire. Je suis le seul animateur télé à le dire. Je suis le seul homme politique à les dire et à les dénoncer. Tôt ou tard, vous me donnerez raison. Aujourd'hui, en France, l'hypocrisie fait qu'on a donné à la banque le droit de discriminer. On vous dit égalité, fraternité. Il n'y en a pas. C'est du mensonge et de l'hypocrisie. Quand une banque a droit de refuser le prêt à quelqu'un sans aucune justification, c'est la porte ouverte à toute forme de discrimination. Je préfère qu'on me discrimine dans les bateaux, dans les transports, dans les études. Je préfère qu'on me discrimine partout, mais pas à l'ascension sociale. Parce que quand on parle de prêt bancaire, on parle de l'ascension sociale. Tout projet commercial, tout projet que vous avez, vous le réalisez qu'avec un prêt bancaire. Alors, voilà ce qui est vicieux en France. Macron et les banquiers français, je vous le dis en face, vous êtes des hypocrites. La classe dirigeante française, vous êtes des hypocrites. Le Sénat, de toute façon, ce que je vais faire, je vais porter plainte. Je vous le dis devant Dieu. Je vais porter plainte à la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que je trouve que c'est inacceptable de donner aux banques le droit de refuser le prêt bancaire pour n'importe quelle raison. Vous allez me dire, mais non, mais à partir du nom de quelqu'un, on sait son origine. Quelqu'un qui s'appelle Koutankité, on sait que ce n'est pas un blanc quand même. Hein? On n'est pas stupide. Quelqu'un qui s'appelle Mohamed. On sait que Mohamed, ou c'est un arabe, ou un musulman noir. Quelqu'un qui s'appelle Aïcha, je ne sais pas quoi là. On sait que c'est un arabe ou un noir musulman. Vous comprenez? Alors quand vous donnez à la banque ce droit de refuser un prêt sans justification, ça veut dire que vous avez le droit de discriminer les gens, pratiquer le racisme comme vous voulez. C'est ça la France. Pays des droits de l'homme. Voilà. C'est ça la France que vous appelez pays des droits de l'homme. Et vous pensez que ces gens-là qui ont fait l'ENA, ils l'ont fait par ignorance. Ils savent ce qu'ils font.
Ils savent ce qu'ils font. Ils veulent bloquer les populations émigrées à l'ascension sociale. Oh, Ramachayamaba. Bon, voyez, moi, je ne supporte pas l'injustice. Comme on dit, j'ai dit haut. Je pense que vous ne connaissez pas. Vous savez, quand j'attaque la franc-maçonnerie et je dénonce des choses comme ça, je ne sais pas si vous connaissez un autre pasteur qui fait ça. Je vous lance un défi, hein. Je ne sais pas si vous connaissez un pasteur dans les réseaux qui fait ça. Je vous pose la question. Parce qu'un homme de Dieu, c'est ça. Il dit la vérité. C'est ça, un homme de Dieu. Jean-Baptiste a dit à Hérode, « Hérode, tu es un malpropre. Tu as pris la femme de ton frère Hérodias. Répands-toi. » Ah oui, c'est ça, un homme de Dieu. Ce n'est pas tous ces bandes de flatteurs-là qui sont là. Gne, 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 gne. Jésus vous aime, alléluia. Oh, la prospérité, alléluia. Mais c'est une bande de flatteurs. Dieu n'aime pas de flatteurs. Dieu n'aime pas de flatteurs. Non, non, des lâches. Les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Et moi, ce que je dis, on peut me foutre dehors de la télé, hein. On peut me dire demain, Bishop Lee, tu ne passes pas sur télé anti, parce que je sais que ce que je dis, ça dérange. Mais je n'ai pas peur. Je suis prêt à tout perdre pour Dieu. Hein? Je suis prêt à tout perdre. Ici en Guadeloupe, on me déteste. On ment tout le temps sur moi. Ah, Bishop Lee, il y a beaucoup de femmes. Ils ne peuvent pas dire le nom d'une femme. Parce que là, quand tu dis la vérité, sache que tu déclares la guerre. Jésus a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Quand vous dites la vérité, on va vous détester. Même au travail. J'ai perdu un travail pour ça. J'ai fait la formation d'informaticien industriel. Je suis allé travailler dans une entreprise, JIFAC. Je ne sais pas si elle existe encore. À l'époque, elle s'appelait JIFAC. Elle était à Lyon. Moi qui ai fait l'informatique industrielle, comme je n'ai pas trouvé de stage dans l'informatique industrielle, j'ai fait un stage dans l'informatique de gestion. J'ai appris sur le tas la gestion. À l'époque, j'ai appris le langage qu'on appelait PACBAS. À l'époque, c'était un langage français inventé, mais qui avait... c'était au top, quoi. Et étant que stagiaire, je formais une fille est venue, une française est venue, et une métropolitaine est venue passer le stage. Elle a une formation de gestion, informatique de gestion. Elle est venue passer le stage, comme l'ingénieur n'avait pas le temps de s'occuper d'elle, il me l'a confié à moi. C'est moi qui lui ai appris le métier, qui le surveillait, qui apprenait le travail. Un jour, on va manger au restaurant, avec tout le monde, toute l'équipe, il y avait moi, il y avait l'ingénieur du projet, il y avait le directeur. Et pendant qu'on mange, le directeur dit, pour moi, ça ne me gêne pas d'échanger ma femme avec quelqu'un d'autre. Il me dit, pour moi, je ne trouve pas le problème de donner ma femme à quelqu'un d'autre. Et puis moi, je prends, c'est casser la monotonie. Je ne sais pas, mais à l'époque, j'ai dit, monsieur, c'est diabolique. Devant tout le monde, il y a eu un froid, il y a eu un froid. Il dit, monsieur, c'est diabolique, c'est pas normal, c'est pervers. Il y a eu un froid. J'avais signé la fin, j'avais signé mon non-embauche. À la fin du stage, au lieu qu'on m'embauche, ces gens-là ont embauché quelqu'un que j'ai formé, la fille que j'ai formée là. Est-ce que vous trouvez ça juste? Moi qui forme quelqu'un, j'ai besoin qu'on m'embauche, mais on prend le formateur, on le met à la porte et on prend son élève, on l'embauche. J'ai eu mal. Mais c'est ça. Quand vous dites la vérité, mais vous ne pouvez pas plaire à Dieu en état de lâche. Le lâche, c'est celui qui a peur de dire la vérité. Il a peur de dire la vérité parce qu'il a peur des conséquences de la vérité. C'est ça les lâches. Et on a beaucoup de lâches comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés.
Parce que quand tu veux vivre pieusement selon Jésus-Christ, te tenir dans la vérité et dire la vérité, tu seras toujours persécuté. Ce n'est pas tous ces chrétiens et pasteurs caméléons qui font la politique politicienne et qui sont en paix avec les sorciers, qui sont en paix avec les marabouts. Qui... Non! Tu as besoin des gens baptistes aujourd'hui, des gens qui disent la vérité et qui n'ont peur de rien. D'ailleurs, Jésus a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps sans tuer l'âme. Ayez peur plutôt de celui qui peut tuer le corps et l'âme. N'ayez pas peur de ces gens-là. Seigneur, mets l'amour dans mon cœur. Mets l'amour dans mon cœur. Mais la première chose que je te demande, c'est l'amour. La première chose, je suis le seul à le dire. Écoutez, je suis le seul pasteur à le dire. Je suis le seul animateur télé à le dire. Je suis le seul homme politique à le dire et à le dénoncer. Tôt ou tard, vous me donnerez raison. Aujourd'hui en France, l'hypocrisie fait qu'on a donné à la banque le droit de discriminer. On vous dit égalité, fraternité, il n'y en a pas. C'est du mensonge et de l'hypocrisie. Quand une banque a droit de refuser le prêt à quelqu'un sans aucune justification, c'est la porte ouverte à toute forme de discrimination. Je préfère qu'on me discrimine dans les bateaux, dans les transports, dans les études. Je préfère qu'on me discrimine partout, mais pas à l'ascension sociale. Parce que quand on parle de prêt bancaire, on parle de l'ascension sociale. Tout projet commercial, tout projet que vous avez, vous le réalisez qu'avec un prêt bancaire. Alors, voilà ce qui est vicieux en France. Macron et les banquiers français, je vous le dis en face, vous êtes des hypocrites. La classe dirigeante française, vous êtes des hypocrites. Le Sénat. De toute façon, ce que je vais faire, je vais porter plainte. Je vous le dis devant Dieu. Je vais porter plainte à la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que je trouve que c'est inacceptable de donner aux banques le droit de refuser le prêt bancaire pour n'importe quelle raison. Vous allez me dire, mais non, mais à partir du nom de quelqu'un, on sait son origine. Quelqu'un qui s'appelle Koutan Kité, on sait que ce n'est pas un blanc quand même. Hein? On n'est pas stupide. Quelqu'un qui s'appelle Mohamed, on sait que Mohamed, ou c'est un arabe, ou un musulman noir. Quelqu'un qui s'appelle Aïcha, je ne sais pas quoi là. On sait que c'est un arabe ou un noir musulman. Vous comprenez? Alors, quand vous donnez à la banque ce droit de refuser un prêt sans justification, ça veut dire que vous avez le droit de discriminer les gens, pratiquer le racisme comme vous voulez. C'est ça la France. Chose au papa que je te demande, c'est l'amour. Mets l'amour dans mon cœur. Apprends-moi à aimer, à pardonner. « Oh papa, s'il te plaît, enlève toute forme d'orgueil en moi, toute forme de méchanceté, toute forme de prétention. Enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire en moi. Tout péché, tout mauvais comportement qui peut être en moi, dont je suis ignorant. Voilà pourquoi je dis, sonde mon cœur et mes reins et montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. » Alors, chers amis téléspectateurs, on a passé un temps de prière. Dorénavant, nous allons commencer à prier ensemble à la télé. Je trouve que à la télé, nous allons consacrer 15 à 20% du temps à la prière
l'autre pourcent de temps au message. On a besoin de prier. Vous avez besoin de prier, de vous entraîner à prier. La prière, c'est la clé de la victoire et de la réussite. I love you all. Yo estaba muy contento de predicar la palabra de Dios. Yo explicaba que el amor es el principal. Sin amor, tú no puedes vivir la gloria de Dios. Debemos buscar primero el amor de Dios. I tried to speak English, but I lost many English. I'm sorry. And I want to explain you that the message that I preach, it's love. We must look firstly love in our life. We must ask God to give us the love. Without love, we are nothing. We must look for love. Love must be our priority. This is the word of God. This is the vision of the word of God. This is the truth. And I will explain that you must be true. When you speak true, you will have got many enemies. Many people will fight against you. But you must be in the truth, speaking truth and living in the truth. Voilà. Je estaba explicando que tu deber hablar la verdad. Je suis le seul à le dire. Écoutez. Je suis le seul pasteur à le dire. Je suis le seul animateur télé à le dire. Je suis le seul homme politique à le dire et à le dénoncer. Tôt ou tard, vous me donnerez raison. Aujourd'hui en France, l'hypocrisie fait qu'on a donné à la banque le droit de discriminer. On vous dit... égalité, fraternité, il n'y en a pas. C'est du mensonge et de l'hypocrisie. Quand une banque a droit de refuser le prêt à quelqu'un sans aucune justification, c'est la porte ouverte à toute forme de discrimination. Je préfère qu'on me discrimine dans les bateaux, dans les transports, dans les études. Je préfère qu'on me discrimine partout, mais pas à l'ascension sociale. Parce que quand on parle de prêt bancaire, on parle de l'ascension sociale. Tout projet commercial, tout projet que vous avez, vous le réalisez qu'avec un prêt bancaire. Alors, voilà ce qui est vicieux en France. Macron et les banquiers français, je vous le dis en face, vous êtes des hypocrites. La classe dirigeante française, vous êtes des hypocrites. Le Sénat. De toute façon, ce que je vais faire, je vais porter plainte. Je vous le dis devant Dieu. Je vais porter plainte à la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que je trouve que c'est inacceptable de donner aux banques le droit de refuser le prêt bancaire pour n'importe quelle raison. Vous allez me dire, mais non, mais à partir du nom de quelqu'un, on sait son origine. Quelqu'un qui s'appelle Koutankité, on sait que ce n'est pas un blanc quand même. Hein? On n'est pas stupide. Quelqu'un qui s'appelle Mohamed, on sait que Mohamed, ou c'est un arabe, ou un musulman noir. Quelqu'un qui s'appelle Aïcha, je ne sais pas quoi là. On sait que c'est un arabe ou un noir musulman. Vous comprenez? Alors, quand vous donnez à la banque ce droit de refuser un prêt sans justification, ça veut dire que vous avez le droit de discriminer les gens, pratiquer le racisme comme vous voulez. C'est ça la France. Son cœur bat.